Hey, salut à tous, c'est Monsieur de Tokyo. Aujourd'hui, on se retrouve sur Assassin's Creed Chronicles India, qui est sorti le 12 janvier 2016 et qui est la suite de Chronicles China, qui se passait en Chine. Bravo, félicitations pour ceux qui ont trouvé. Donc, il s'agit d'un jeu en 2D, c'est pas de la 3D là, il s'agit pas d'un Assassin's Creed normal, et c'est tout à son honneur, pourquoi en fait le jeu est vachement bien réalisé. Alors c'est pas une vidéo découverte comme d'habitude, pourquoi là je vous fais découvrir le jeu en même temps que moi. Et c'est que le souci, c'est que comme je suis assez nul dans les Assassin's Creed, je préfère vous montrer un truc que je sais bien faire. Donc là, on va tirer en fait pour le monsieur à la clé, et on va essayer de réaliser quelque chose de bien. Donc je crois qu'en fait il n'y a pas moyen de les passer. Allez, donc on va le faire à voilà. Donc j'aime, habituellement je suis très furtif, donc là j'ai tué un mec sans vouloir. Donc voilà, hop, non c'est pas ce que je veux faire. Donc un des deux à la clé, je me rappelle pas duquel, donc du coup je prends ça, on sait jamais. Il faut savoir que c'est un jeu assez... En fait, tu fais une erreur, c'est fini pour toi. En quelque sorte. Du coup, il faut y aller doucement, analyser les zones, chaque zone. Donc voilà, je pense que je vais faire beaucoup de game over, donc du coup, je laisse après si j'en fais. Mais vraiment, c'est un jeu... Donc j'ai déjà fait une heure dessus. Pour l'instant, oui, c'est pas énorme, vous allez me dire. Mais tu peux déjà découvrir pas mal de trucs sur le jeu. Voilà, déjà j'ai fait une grosse connerie qu'on doit jamais faire. Ok, donc il me faut une tenue. Ah, vous rappelez dans les Assassin's Creed, on peut se mettre dans la foule. Et là, il faut juste récupérer. Et là, en fait, faut carrément s'habiller. Ça, je trouve ça, c'est très bonne chose en fait. Il devrait le prendre ce qu'ils viennent de faire là. Il devrait le mettre dans les jeux AAA de Assassin's Creed. Franchement, ça ferait fureur. Là, je vais me mettre comme ça. Sachant qu'ici, ouais, c'est mort. Hop. Et... Alors, quand on assassine, on fait extrêmement de bruit. Faire attention. Hop. Donc là, par exemple, ils ont trouvé un cadavre, ça a activé directement une alarme. Ce qui n'aurait pas le faire normalement, c'est que j'aurais dû cacher le cadavre. Or, je ne l'avais pas fait. Bon, voilà, déjà ils m'ont découvert. Donc là, après ce magnifique game over, on va essayer de récupérer les vêtements. Quoi? Comment il m'a vu? Ah, je me disais, il ne peut pas me voir. Je suis trop malin pour qu'on me voit. Identify yourself. There. Mais toi tu. Donc comme je le disais, il faut pas foncer sur les ennemis sous peine de se faire remarquer inévitablement bien sûr et de se faire niquer. Donc là, en fait, au lieu de passer par moi, on va passer en par en haut et on va essayer de. On va essayer de savoir déjà ce garde. Ce sera déjà un en moins. Voilà, hop. Au moins, il est caché. Et je me ferai pas remarquer inutilement. Donc là, par exemple, on voit que le garde, il va pas nous laisser passer. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que j'ai plus de bombes, donc j'ai rien à faire en fait. Donc on va passer par là-haut. Il faudrait que je récupère des bombes assourdissantes. Pouvoir faire d'autres pièges. Bon, là par exemple, je peux voilà, je l'assomme directement, je perds pas de temps. Par contre, je prends son cadavre vu qu'il y en a à côté d'une porte. On va aller directement camoufler sa petite gueule et on va le balancer ici. Alors, donc je regarde où sont les vêtements. Donc là, il y a un petit coffre. Donc c'est pas quelque chose que habituellement on doit découvrir par nous-mêmes. C'est un peu les secrets, un peu comme les plumes et les fragments de codex. Les fragments de codex sont bien sûr présents dans le jeu, qu'on doit trouver dans les épisodes originaux.
Donc là. Oh. Voilà, un fragment de codex, hein. Impossible dans les droits, mais je peux quand même ricocher avec mon chikram. Alors ne faites pas la même connerie que moi. Vous mettez pas sous les objets que vous allez couper. Donc déjà. Voilà, donc en gros, on va descendre ça et on va lancer une sorte qui s'appelle le chakram, ou je sais pas comment ils appellent ça en Inde, qui consiste à barater. Donc faut savoir, c'est vraiment un jeu de plateforme, donc si vous aimez pas les jeux de plateforme, passez votre chemin. Donc là, ouais, ça va, c'était pas un objet qui descendait. Pourquoi tout à l'heure, je me suis fait niquer, j'étais sous une caisse, je coupe la corde, la caisse qui tombe sur la tête. Je peux vous dire, ça fait très mal. Récupère la veste, donc. Il manque le coffre-chef. Ah, attends. Je me doute bien qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Voilà. Je me doutais bien qu'il y avait quelque chose à faire ici. Donc le couvre-chef, si je me trompe pas, il est de l'autre côté. Non, je me trompe pas, je me trompe jamais. Uzo est intelligent. Je me fais des fantasmes. Un peu dissiper mes mouvements. Effectivement. Mais est-ce que ça... Ouais, on va le rentabiliser. Hop, là, ils m'ont pas vu. J'ai pas besoin d'aller le tuer. Comme je vous l'avais indiqué, on n'est pas obligé de tuer les gardes, on n'est pas obligé de les assommer, on peut toujours les contourner. Et bah comme dans tous les Assassin's Creed, hein, on vous oblige jamais à tuer un garde. On vous conseille de le tuer. Et on vous conseille de le tuer, mais on vous déconseille de le tuer pour avoir un 100%. Donc autant faire le plus possible pour n'en tuer aucun. Par exemple ici, voilà, ça va être un peu plus dur. Non. Voilà, on peut pas faire comme dans les vrais Assassin's Creed, là j'aurais sauté directement sur le mec. Et par exemple, là, ce que je peux faire, c'est que je peux siffler, donc à une certaine distance. Et je peux tout simplement attirer le garde sur moi. Donc là, il va s'attendre que je lui saute dessus. Donc je ne vais pas lui sauter dessus direct. Je vais faire... Parce que toute chose. Reinforcement! Ouais, je vais me faire buter. Non! Voilà, hop. Voilà, on n'a pas vu ce qu'il a fait, mais on se doute qu'il a tué les deux gardes. On a eu de la chance. Sincèrement, on a eu de la chance. Est-ce qu'on va réussir à faire une vidéo en one man, c'est-à-dire sans... Bon, compte pas la première mort, elle est pas... Elle était un peu bête. Mais est-ce qu'on va réussir à faire le jeu sans mourir? Alors, je sais que le dernier, il était par là. Ah merde, il y en a trois, d'accord. Donc, on va faire attention, voilà. Je fais des choses que je voulais pas le faire en fait. Hop, on va se mettre par là. Donc qu'est-ce qu'il a lui? Il a l'air d'être une personne intéressante. Hop. Donc là le card on va le dissimuler avant de faire un game over comme au début. Non, j'ai dit le prendre. Voilà. Et on va se le foutre. Ici. Identify yourself. Non, par là, voilà. Donc faut savoir, ouais, malheureusement le jeu n'est pas en VF, il est en VostFR, mais le VostFR est succulent. Alors, là on est parti. You, stop! Assassin! Non! Pourquoi tu me traites d'assassin? J'ai rien fait! Au secours! Ah! Non, je veux pas crever! Voilà. Game over! Donc, et j'ai récupéré le ceinturon, c'était pour éviter de vous retaper un petit peu, vous taper encore, je sais pas combien de game over. Donc j'ai réussi à récupérer le ceinturon, donc j'ai mon costume tout entier, et on va pouvoir passer enfin les gardes. Allons-y les gars. I understand. We'll only allow townsfolk through the gate. Anybody else, and we all lock down.
Putain, je passe en mode normal, quoi. No need for the disguise now I'm through. I need to reach Amid and it isn't going to work. Bon, niveau effets spéciaux, ils ont mis la patate, c'est-à-dire que tu changes de costume, non? Magie. Ah, la musique. Par contre, la musique, dans tous les Assassin's Creed, même dans les jeux comme ça, c'est une pure merveille. Donc là, faut aller sauver Amid. Alors, Amid, c'est notre maître assassin. Et on doit aller le sauver. Donc, c'est le but de la vidéo. Sauver Amid. Nous devons sauver Amidala. Ou pas. Non, là, on se trompe de... De série complètement, là. Putain, là, je me fais repérer à un doigt de cul, quoi. Je ne peux bien sûr pas le tuer. Et du coup, je vais monter rapidement là-haut. Voilà. Bordel de merde. Comment on a pu se faire repérer comme des débutants? C'est vraiment... un coup à pas de bol. Allez, hop, 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 hop. Allez, 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 allez. Voilà. What? Voilà, il nous verra pas, là. Ah, mais y'a un souci, alors. Réfléchissons, réfléchissons. Allez-y, il faut qu'on trouve la solution là. Je sais pas combien de try je fais, mais D'accord, bah j'ai trouvé la solution, putain de merde. Fais chier. Bon là, on va jusqu'au milieu, et c'est bon. On a trouvé la solution après 10 morts inutiles, enfin, 10 détections inutiles. Hop, Spider-Man. Hop, tu me vois pas. Voilà, je t'ai eu. Je t'ai eu. Voilà, je me fais pas avoir, j'attends un peu. Voilà, il va repasser. Et là, je me laisse tomber. Putain, c'était tellement simple, en fait. Voilà, bah, je le saurai pour la prochaine fois. Hop, et on monte. On monte. Tranquillement. Mais intelligemment. Nous allons faire ça intelligemment. Il faut, en fait, faut pas sauter au moment où il, voilà, il tourne. Hop. Et là, c'est tranquille. Alors, est-ce que je passe par là ou je monte directement? Qu'est-ce qu'il y a par là? Il y a une caisse. Attendez, il y a une caisse. On va y aller tranquillement. Amid pourra attendre un peu quelques secondes quand même. Sachant que là je pourrais récupérer quand même. Voilà. Bah, un chakra encore. Putain, le nom quoi. J'y arriverai pas avec le nom. Hop, ça c'est fait. Donc on récupère des bombes. Oh, cool, des bombes. Non! J'ai fait le con! Non, j'ai fait le con! Donc j'ai pas fait le con. J'ai réussi à récupérer le coffre. Donc faut faire vraiment attention aux alarmes. Alors oui, pourquoi il y a les gardes en fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai ouvert le coffre au moment de l'alerte. Et le souci c'est que j'ai récupéré son contenu avant la réinitialisation. Donc du coup, bah, plus besoin d'aller récupérer le coffre vu qu'il a déjà été récupéré. Donc ça c'est cool. Hop. Alors faut remarquer, il y a un lion. Alors lion, on peut rien faire. Vous passez devant, vous êtes remarqué à 4000 lieues direct. C'est assez embêtant, mais du coup on va essayer de trouver un autre chemin. Hop, celui-là, on va le foutre là-dedans. Tu vas nous donner les chakrams. Et donc... Oh, je sens qu'il va sortir par là. Oui. Enfin que j'ai caché son cadavre. Pouf. Pour vous dire, là, je le fais en one-shot, hein, c'est-à-dire que je connais pas la solution, rien du tout. C'est vraiment pour vous faire découvrir le jeu. Ce niveau particulièrement. Oh, bon.
Je vais pas vous montrer tous les niveaux. Tous les niveaux sont différents, mais le gameplay reste similaire. Donc, et les décors restent les mêmes. Beau décor, vous pouvez regarder derrière, là, vous pouvez voir l'arrière-plan qui est très très bien dessiné. Il faut savoir que c'est pas du temps réel. Oh, je viens de faire la même idée aussi que tout à l'heure. Putain de cloche. Putain, ça peut vraiment être... Ah, c'est punitif le jeu. Ah, mais l'autre, il va passer au moment... Non, même pas. Oh, la chatte que j'ai, mon gars. La chatte. Oui, alors. Chatte ou pas, je sais pas. Mais je crois que j'ai réussi à sauver Abid. Oui, et... What? Bon, bah... bon, c'est pas le jeu qui a planté, bon, c'est vrai pas, c'est... Donc, qu'est-ce que c'est cette merde? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Frapper Alex, appuyer sur B et Y en même temps. Ah, ok, c'est vachement... Wouah, ça c'est pas mal ça. Franchement, frapper Alex pour finir cette vidéo, c'est parfait. Donc on sauve Amid. Good to see you, my friend. Et je vous laisse apprécier cette cinématique de fin. Nous, on se retrouve sur d'autres vidéos. You're a tough beast, you know. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like et un subscribe. Bye. It was Major William Sleeman. He was asking about the Kohinoor. He wasn't alone. Alexander Burns was with him. You've heard of him, I assume. By reputation only. He has killed many of our brothers. You are lucky to be alive. Luck has nothing to do with it, brother. Unfortunately, Sleeman took the Kohinoor. You lost my Chew? Something big is happening, Arbaz. They talked about a box and using the Kohinoor to power it. It may be Ezio Auditore's box that the Brotherhood lost long ago. So you want me to steal the jewel back? And the box? Yes. Go to their new outpost. You'll find them, and I hope the entrance to a secret place I've been suspecting for a while. A precursor site may be underneath the palace. Interesting. I'll take care of it. Stay out of sight, my friend. Peace, les gars. On se retrouve rapidement pour d'autres vidéos, comme je le disais. Je suis enfin arrivé à ma destination. Enfin, enfin arrivé auprès de toi, ma douce Fruliette. Oh, Fruliette, c'est moi, Fruméo. Je viens te délivrer du mal. Partons ensemble, sauver et vivre ensemble. Fruliette ? Fruliette ! Non ! Fruliette ! Je vais me venger! Tu as tué Fruliette! Tu es...